Muso muso ima deli ka furu ima do furu so kono ni ima kaninke. Bi koni ambe Tombouctou de sigire kunyo de ortem ka emission mbe ko la la ko donc anga ton ni coalition ya nye wulika joke ka farauka anga la la ko kokoromado anga malikura ere tabulo la ko kanga la la ko dombala obe talike ame yerma horonya miro ndofe souveraineté anga ke anyere anga seko nanga donko nanga dambe angulu dombala donc hakina bena auma donc en farla uka anga o kenyo fe bienal de ben attaquer Tombouctou bebe Tombouctou kome mais chamanta don donc anye fenêtre de daile ka feni fitini jira mola ka mo nyeshin Tombouctou ma anga labeng sabati jani bienal watite donc uye kunglan ta ka fini don chouta ka dumuni chouta ku kala la kouta ka yira jema la donc ode yira la ni evenement kon la ni koroboro tay bafan makoyro gofa muso muso madeli ka furu atenindo akungulo la donc ni furu la boro konyo so la ikatli sabadu ke la ka obeni no fa wakati ni na obenya siri donc nyebe siri balma muso wali cheteri ke wudi bina nyefoni obena nyefoni yoro la wakati no na soro ni bi kungulo la demba wi la be ki masiri ka findo ida obena wakati de ni ode ni kwa me ni madeli ka furu ka mami sadu. Qu'est-ce qui fait la sainteté de Tombouctou? C'est que Tombouctou, c'est le cœur palpitant, c'est-à-dire le foyer culturel ardent où se sont rencontrées toutes les ethnies. Le port de la barbe est indicatif du niveau social. C'est-à-dire qu'on ne se coiffe pas comme on veut, etc. Non, non. La manière de porter le turban indique aussi votre classe sociale. L'université de Sankore, au 12e siècle, au 14e, je ne sais plus exactement, avait déjà 25 000 étudiants. Et ces 25 000 étudiants-là ne sont pas des sonrailles de Tombouctou. Ce sont des chercheurs qui sont venus de l'ensemble du monde entier, qui viennent chercher le savoir à Tombouctou.